Drop it. Yeah. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. On se croira à Paris. Incroyable. Moi, ce que je trouve ça incroyable, c'est que c'est la police, elle participe. Ça, c'est encore le plus incroyable. Que la police participe et que la police qui est ici a modifié la couleur de son véhicule. Wow. Tout est le plus incroyable. Bon, par contre, je vais retirer ça parce que ça donne chaud pour R. Attention, coupe de cheveux dégueulasse dans 3, 2, 1. Ah, dégueulasse. T'as bien en vocal, Zork. Parce que vu que sur le serveur, à mon avis, il y a zéro roleplay à cause des mongolitos qui font le barrage là-haut. Il vaut mieux que tu viennes en vocal, on va faire quelque chose à deux là en vocal. On va faire des activités, si tu vois ce que je veux dire. Du style me caresser le gland. Zork ! Oui ? T'es un gros bâtard. Zork, on va en profiter pour un peu en avoir quelques discussions d'hommes avec le live. Donc les femmes sur le live, quel que soit leur type de sexualité, les guines, les goudous, tout ça, on s'en va et on reste qu'entre couilles, hein, je vous le dis. Exactement. Alors, première question, Zork. Ah déjà. Avec ou sans douche avant? Bah avec. Avec la douche, ok. Logique. Bah ouais. Si jamais je réponds pas vite, c'est parce que je suis concentré de regarder ce qu'ils font avec leur truc, leur voiture jaune. Là. On va se mettre tous les deux SWAT, comme ça on va faire une brigade d'intervention rapide. Un peu blédard. Donc toi tu prends la douche avant. Mais si par exemple tu t'as pas pris la douche, tu le fais quand même ou pas? Tout dépend quand tu l'as pris aussi. Si tu l'as pris il y a 4 jours, tu le fais pas. Ah tu le ferais même pas alors. Incroyable. Je sais pas, après tout dépend comment t'es, c'était ou pas, parce que je veux dire. Ah genre tu le ferais genre même 4 jours après, t'es crassin. Non mais pas 4 jours après, t'es fou, moi je prends ma douche tous les jours. Descends. En plus tu me rends même pas la douche les jours. Tu la prends quand, les matins, les après-midi ou le soir? Le matin ou le soir, ouais. Ah genre des fois soit le matin, soit le soir, donc ça veut dire que des fois il y a pendant 48 heures t'es pas lavé. Non mais tous les jours. Genre si j'en prends une ce soir, j'en prends une demain soir, ou si j'en prends une ce soir, je peux prendre une demain matin. Je sais pas. Oui mais par exemple si t'en prends une aujourd'hui demain matin et que t'en prends une demain soir, donc ça veut dire qu'il y aura quasiment 48 heures de non-lavement. Moi ça me choque. Non. Si j'en prends une demain matin, j'en prends une le matin, tout ce que je veux dire. Ah, je vois. Genre je me lave pour la journée. Et le soir, hop, bim, je me lave. On a baisé l'autre. Enfin pour. Ben ça allait vite, hein. Là je prends ma douche tous les jours. Il est 21h21, Zork, mets ton doigt sur ton nez et fais un vœu. C'est fait. Attends, faut que je le fasse. Vite. Je l'ai fait, voilà. Et si je crache, on fait quoi? Je te banne de voir tout. Comment on fait? Dans la console, et arrête de parler, c'est une fois sur Discord, une fois en jeu, c'est insupportable. C'est parfait exprès. Est-ce que les policiers en France, ils ont des voitures comme ça? Eux, ils sont bien avec leur kangou, là. C'est vrai, ça. Eux, ils préfèrent prendre la plaque d'immatriculation et après venir le matin à 6h. Ils prennent la plaque, ils disent « Ah, on se reverra demain matin. » Va en boîte ce soir une dernière fois, t'en fais pas. Je viens avec si tu veux, mais par contre, demain... Les flics, c'est que des noteurs de plaques. Hein. Parce que le problème, c'est que si, par exemple, ils font... Si genre, ils coursent le mec et le mec, il se tue, ça va être encore la faute des policiers, je te rate. Moi, si je réponds pas tout de suite, c'est que je suis en train de manger des Pringles, si jamais. Pourquoi tu fais que de manger à 24? T'es vraiment un crâne. J'ai acheté les Pringles, attends, je vais me faire une petite pause sur le côté pour présenter au live. J'ai acheté les Pringles, alors franchement, je déteste les oignons, mais j'ai pris en sauce crème et oignon. Ah bah, vu qu'elle est toute verte, le packaging n'est pas terrible pour le fond vert. Mais, tu sais, c'est la Pringles vert, là, aux oignons et tout. À crème et oignon. Et bah, je sais pas si c'est j'aime bon. J'aime pas les oignons. Bah, moi non plus, j'aime pas les oignons, mais je me suis dit peut-être que c'est bon, parce qu'il y a certains trucs. Que ça a un goût dégueulasse, tu vois, mais peut-être que en préparation c'est peut-être meilleur, je sais pas. Et allez, on va l'arrêter, les. Arrête-toi! C'est ça, cette petite arrestation RP là. Gentiment, bon monsieur, on est en vigilance pirate, la vigie pirate. On recherche des pirates. Est-ce que vous avez un œil au Bernard, monsieur, ou pas? C'est bonne la blague. Hein. On va vérifier votre permis, monsieur. Il n'y a pas le permis. Vous n'avez pas le permis, monsieur. Vous savez bien que vous allez vous faire enculer là, à partir de maintenant. Il parle plus. Hein. Je serais vous, je préférerais parler si vous voulez pas finir dans une bouche d'égout, traîner derrière la voiture. Vous n'avez pas le permis, monsieur. Regardez en appuyant sur dans votre troisième poche. Vous n'avez pas du tout le permis, monsieur. Je trouve ça assez indélicat. Quoi. Conduire. Oui, mais monsieur, alors pour cette fois, ce n'est qu'une remise à la loi.
on vous laisse finir votre trajet, mais après, là, va falloir, à la fin du trajet, directement aller faire passer le permis. Hein. Si on vous recontrôle ce soir sans le permis, monsieur, c'est 35 000 € d'amende. Et 12 points perdus sur votre futur permis si vous le repassez. Admettons, ta chérie, elle te demande de faire la double pénétration avec un de tes potes. Avec ton meilleur ami. C'est mort, je tue mon meilleur pote et je tue elle. Incroyable ça. Non, j'ai pas la travail de tirer sur des gens comme ça. Ah bah donc les gilets jaunes ils sont vite partis. Et ils ont bien fait de se faire dégager. Hein. C'est un dernier truc en l'air là. Hop. Clignote en RP, ouais, bien joué. Il est là. On va aller voir le vendeur. Il a juste la même voiture. On va les remettre une couleur normale à lui parce qu'il m'énerve à changer sa couleur là. Nul le soir, nul le soir. Salut toi. Ah, incroyable. Et un comportement sérieux s'il vous plaît, si vous voulez pas avoir une sanction telle que le ban 6A. Comme ça c'est réglé, comme ça il a été averti. Le pauvre il a dû suer, gros, il a perdu 3 lignes de transpi. Monsieur le soir. C'est de pire en pire. Monsieur, oui, vous avez un beau bébé. Vous pouvez pas mettre une crémeuse pour vous. Bon. J'étais en train de me dire, il est parti où, quoi. Bonjour monsieur, vous avez un permis de construire? C'est vraiment dégueulasse hein, les joueurs ce qu'ils font des fois. Arrête de rouler ta voiture personnelle. C'est ni le lieu, ni l'endroit. On va faire. Il est mort. On verra, on verra, parce que la RS7 elle avance bien. Ah, mais regarde comme il roule. T'en fais pas, on a pas perdu de temps, mon petit orc. Contre le mur! Qu'avez-vous à faire avec ce monsieur-là? Qui est-il pour lui? Le suspect est abattu. Qui a-t-il pour lui, là, vous? Vous êtes monté dans sa voiture, vous le connaissez, c'est qui? C'est qui, vous êtes monté dans sa voiture, monsieur? Mais non, il m'a demandé de monter. Il m'a demandé de monter, sinon il me tue. Je vous le laisse, messieurs, j'ai l'impression que c'est un complice à la RS7. Bon, je vous le laisse vous occuper de lui. Apparemment qu'on a un véhicule d'intervention qui fait vite fait, frère. Il ne savait pas beaucoup, celui-là. Il faudrait qu'il travaille ses drifts un peu mieux, quand même. Hey gros, la vidéo vient de se finir. Gros, maintenant clique sur mon logo si tu veux t'abonner et voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ou si tu vas en haut à droite, il y a la dernière vidéo. Peut-être bien qu'on va se mettre bien. Vas-y mon gars, clique.